Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... De Subnautica. Alors on va aller vérifier un petit peu ce qu'il y a dans les barnacles. Vous savez, je crois que ça s'appelle comme ça les barnacles, hein. C'est ce qu'il y a au niveau de ces choses. Hop. Rien. Ah bah écoutez, s'il y a vraiment rien dedans, parfois ce ne sera peut-être pas aussi intéressant. Cuivre. Ok, donc on trouvera beaucoup de cuivre là-dedans, c'est intéressant parce que c'est principalement ce qu'on avait trouvé dans les précédentes versions. Alors là, l'objectif, ça va être de continuer notre amélioration tout en... Ouah, je l'avais pas vu! D'accord, il a atterri sur le... Oui, bah vous voyez, c'est une chose que je cherche. Ah oui, d'accord, c'est le canon à propulsion. Est-ce que ça veut dire qu'on a tout trouvé là-dedans déjà, sans l'avoir fait? Trouvons une entrée. En tout cas, l'objectif sera quand même de continuer à améliorer la base principale. Hein. Principale, ça reste ça. On l'a pas déjà, ça me parle. Station de modification. Ah bah, ça tombe bien. Je te cherche, il m'en faut 3. Ok, alors ça doit être un bug. C'est pas bon signe du tout. Porte classique. Dans. Passage ici. Ne mène à rien. Oula. C'est bon. Yep, tout va bien. Là, il y a un autre passage. Je devrais passer avec la pétoche. Faire mon... Voilà. Et revenir avec la pétoche, ce sera mieux. Pas besoin de l'habitat de builder, voilà, je récupère de l'oxygène et on y retourne. Et on s'assure de bien tout prendre au passage. Ok, il y avait un bloc là-dedans, on le voyait même pas. Crac. Et là, il semble bien avoir un... Non, ça n'est pas un, ça. Autant pour moi. Crac. J'ai reçu un message à la radio, pour l'instant, c'est pas important. Si rien, il me manque donc précisément un bout. Fais pas ton vilain et donne à papa. On n'est pas déjà venu là-dedans, ça me parle. Fragment de coque de cyclope, je l'ai déjà. Ça ne s'ouvre pas apparemment. Là par contre c'est cool. Ouh, c'est pas trouvé autant de choses. Ah, c'est pas bon signe. On trouve beaucoup de choses. Mais pas la totalité à chaque fois, j'ai l'impression. Voyez ? Voyez ce que je veux dire. Ah, c'est dommage. Alors on va peut-être fouiller en dessous quand même. Et je dis pas en dessous de là hein, particulièrement, je dis plutôt en dessous qui aurait pu tomber du haut de l'arbre si je puis dire. L'arbre champignon. Hop, allons-y. Oula. Hop. J'imagine qu'il y a des choses qui sont tombées dans le coin. Simplement. Faisons le tour quand même vite fait. Tiens. Tiens. Voilà du boudin. C'était moisi, pardon, excusez-moi. Et canon à propulsion, malheureusement. Mais il doit y avoir des choses qui sont tombées un peu plus bas. La physique fait qu'il devrait y avoir des choses un peu plus bas, normalement. Normalement. Pour préciser, parce que là pour le coup, il n'y a rien de moins sûr. Hein. La physique fait que. Compte tenu de la densité de mushroom. Je trouve que c'était encore une vision de... De la mort qui nous parlait. Bref. Crac. Aïe. Pardon. Oui, je m'excuse auprès de mon... oui, c'est bon, le saut. De mon vaisseau. De mon Simos. Par contre, je ne trouve rien d'autre. Est embêtant. Mais bon, dans le coin, peut-être qu'on va trouver la suite. Il faut y croire. Il faut y croire, chers amis. On est censé la trouver, je présume. M'étonne, c'est qu'il n'y a pas plus de choses qui soient tombées dessus. Mais je crois que j'avais déjà vérifié, en fait, dessus. Cette logique n'avait pas marché. Oh!
Cacher une deuxième entrée. Pas. Ah ah. Gros sac. Il me tient même pas au courant. Alors ça, est-ce que je l'avais? Apparemment oui. Reste aussi. Cadre photo, je prends. Sympa. Ok. Oui, ça c'est l'arbre qui veut que je scanne. Enfin, que je pense en scanner un, parce que sinon ça me le scanner tout, ça me demandait de le scanner tout le temps. Ça, ça s'ouvre. Sésame, ouvre-toi. Sésame. Et on se dépêche, Sésame. Où est la porte? Là. Fragment de cyclope. Ouais, je l'avais. Oh, c'est quoi ça? Module de réacteur thermique, mais j'ai même pas encore le cyclope. Oxygène, vite fait, avant d'aller plus loin. Hop là, on est rechargé. Et on est déjà reparti. Je l'ai, c'est de ceux. Ah, je les ai pas ceux-là, les petites étagères. Ah ah. Même si je crois qu'elles sont que décoratives, celles-là, de mémoire. Hein. C'est chiant de pas être à l'endroit, dis donc. Y'a quelque chose ou... Non, rien du tout. J'ai cru voir tout à l'heure aussi une porte qui s'ouvrait uniquement, voilà, à la découpeuse. Hop, c'est parti. Allons-y. Profitons qu'on ait une batterie pleine sur ce truc. Ce serait bien qu'on trouve le reste de ce qu'on a commencé à trouver, mais là je commence vraiment à perdre espoir. Allez, oups, pardon, autant pour moi. Quoique... Fragment de pont de cyclope, dommage. Quoique, ça a l'air très rempli cet endroit. Bon, on va aller refaire le plein d'oxygène. Alors, faut savoir que tout à l'heure, j'ai farmé un petit peu, quand j'ai farmé un petit peu le plomb et le titane, j'ai eu des bruits qui m'ont pas convaincu de l'aspect endroit safe, si je puis dire, de cet endroit normalement. Donc voilà, je sais pas encore trop. Ah, j'ai rangé le truc pourtant. Non, j'aurais pas pouvoir les bouger ces trucs là, donc c'est pas la peine. C'est moi qui me fais des films. Ah, ça par contre j'avais pas vu. Oh, console d'amé... Wouah, génial. Ça c'est quoi? Oui. Ah non, il en faut 3. Non, c'est bon. Wouhou. J'ai tout ce que j'étais venu chercher. Je ne sais plus. J'ai commencé avec quoi? J'ai trouvé quoi ici? Attendez, on va se mettre là-dedans, on va la regarder dedans. Torpille à gaz, ça m'intéresse pas. J'ai trouvé ça dedans, ouais. Le scanner, c'est pas excessivement important pour moi maintenant. Alors ça, je suis content, je l'ai trouvé. Ça, c'est cool. Circuit intégré. Ah, j'ai pas. Sans modification, j'ai trouvé. C'est ça que j'ai pas trouvé en deuxième. Ok, c'est ça que j'avais pas trouvé. Bon, c'est pas grave. On va retourner à la base. Quoique, est-ce qu'on retourne à la base tout de suite ou est-ce qu'on regarde ce dont on a besoin pour construire tous ces trucs-là? Ça, il nous faut du titane. 3. Ce n'est pas les 3. Il faut un circuit intégré et un fil de cuivre. Je dois pouvoir le faire, je présume. Oui. Et le circuit intégré, je ne sais plus. Le circuit intégré. Allez. Corail plat, il va me falloir deux fils. Alors, plus de fils de cuivre encore. Ok. Ok, ok. Du coup, il va falloir en acheter du cuivre et du corail plat. Pourquoi pas. Donc là, on a la... Alors là-bas, on a la base. Là, on peut la voir de là, d'ailleurs. Nous, on part par là. On va chercher un petit peu toutes ces ressources. Alors, je sais pas si on peut trouver du corail plat par ici.
Alors là, on va peut-être trouver du plomb et même du titane, voire même du cuivre avec un peu de chance. Le cuivre, on peut le trouver sur les grands rifs, là. En fait, il y a un intérêt à aller chercher tout de suite sur les grands rifs. Dépend de là où ils sont. Faudrait que j'arrive à en trouver un rapidement. Sinon, c'est pas valable. Perdre du temps dans cette recherche. Et comme il se met à faire nuit, je suis bien baisé. Donc, ne perdons pas de temps à en chercher un. Pas la peine. Qu'est-ce que vous avez du titane et du plomb? Bien, parfait. Génial, c'est tout à fait ce que je recherchais. Excellent. Excellent, comme dirait Nozman. Excellent. Du cuivre, parfait. Là, c'est bien mieux. Je sens que cet endroit va me permettre de trouver tout ce que je recherche. Pas de grands rifs qui flottent au-dessus de nous. De toute façon, ici, un peu trop serré pour en trouver. Dan. Cuivre, parfait. On a les deux cuivres supplémentaires qu'on cherchait pour avoir un fil de cuivre supplémentaire. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est du corail plat. Et le corail plat, peut-être que je peux en trouver plus par là. Regardons bien, gardons les yeux ouverts. Et je crois que j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Oui, je rentre à la base, t'inquiète pas. C'est bon, c'est trouvé. Alors, on en approche de la base, on est donc bon. Hack. Oh, calme-toi. Ça, c'est fait. Du coup, est-ce qu'on a déjà... pardon, c'est pas l'habitat builder, ça, pas du tout. Je vais peut-être pas avoir ce qu'il faut en termes de... Attendez. Hop, les... Tu vas fonctionner? Non, tu fonctionnes plus, toi. On va t'aider à fonctionner. Hop, mais d'abord, je mange. C'est pas aussi rentable que ce que j'avais prévu. Crac. Crac. Je crois que c'est plus les pommes de terre qui vont être rentables que ceci. Terme d'eau, même pas. Ça va vraiment être les watermelon. Ils n'ont pas encore fini de pousser, malheureusement pour nous. Qu'est-ce qu'on veut de pas avoir l'inventaire plein. hop. Déplacer. Voilà, continue à produire un petit peu d'énergie, s'il te plaît, merci. Et donc, ce sera... Sera... Bah, module de l'intérieur, ça devrait être ça, non? Terre, non? Ah, bah le voilà. J'ai pas ce qu'il faut parce que j'ai oublié de construire. Ah oui, le fil de cuivre est... Voilà, on est bon. Crac. Les deux fils de cuivre. Et le circuit intégré. Et on est bon. Wouhou. Et c'est bon. Crac. Tu me construis tout ça, s'il te plaît, merci. Voilà. Et donc, ici, normalement... C'est pas ça que je voulais, moi. Locateur. Ah, voilà. Module commun, d'accord. Module de stockage, ça va être intéressant. Et donc, voilà, ce qu'il nous faudra, nous, c'est un lagot de titane et deux de verre. Youh ! Bon, c'est faisable. Si, c'est intéressant. Les torpilles, pour l'instant, ça m'intéresse pas des masses. Mais bon, c'est pas trop mal. Hop. Ce qu'il nous faut pour l'instant, impérativement, c'est de la flotte et de la nourriture. En manger un petit peu quand même. Ah ? Vu qu'il veut pas me fournir encore de... Hein ? Ici, on va remettre, par contre, par souci de séparation... Un bac à culture. Faut que nous gardions un endroit pour la nourriture. Et un endroit. Hop. Pour l'énergie, tout simplement. Selon moi, c'est excessivement important. Et surtout, en cas de problème, ça va multiplier.
dernier? On va voir un petit dernier. Ici. Voilà, hop. Nos capacités à avoir de la nourriture. Voilà, ça c'est bon. Ici. Ah, attendez. Là. Crac. Et le dernier, toujours. Bah non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Tu veux pas me le casser? Aïe, merci. Hop. Même si vous allez voir, grâce à ce couteau, la nourriture ne va pas être un problème. Hop là. Parfait, on a récupéré un petit peu plus d'énergie. C'est cool. Aussi, donc maintenant que nous avons ceci et ceci, il va nous falloir un peu plus de choses intéressantes. En l'occurrence, je pense à... Hop. Ceci. Pour ce faire, il va nous falloir un autre diamant et un autre circuit intégré. Ce qui tombe bien, c'est que pour le premier circuit intégré, j'avais pris plus de corail que prévu. Il va donc nous falloir plus de diamants et aussi plus de cuivre. Donc le cuivre, on va continuer à aller le chercher... Attendez, de cuivre. Au doute. J'ai un... Pas de l'or aussi. On est sur moi au cas où. Hop. Donc il va nous falloir deux de cuivre. Et puis c'est tout. Pour construire cette première chose. Ensuite, après avoir... Oui, ceci, il va nous falloir un diamant. Donc deux de cuivre et un diamant à aller chercher. C'est parti. Au passage, on va faire le changement de couleur. Donc au niveau de la base, voilà, on va le mettre sur un beau rouge, le nom on va l'appeler comment? Donnez-moi dans les coms le nom que vous voulez que je mette, hop, on va faire ça comme ça, on va le laisser en blanc pour le moment, l'intérieur, avec un petit, et une bande jaune, là, et joli comme ça, crac. Et nous voilà partis. Hop. Bien, alors normalement j'ai tout ce qu'il faut en tout cas pour le début de cette recherche. Hop. Donc on va aller se garer. Et voir aussi ce dont on a besoin pour le... Comment s'appelle le système de profondeur, vous savez. Pour augmenter la profondeur maximum de ce Simos. Malheureusement, que nous avons perdu bêtement. Au passage, voilà, ici. Lingot de titane et 2 VM. Il va falloir donc du quartz et plus de titane. C'est faisable. Dans le coin, c'est très faisable. Là, je suis bon. Là, c'est en train de pousser. C'est génial. Là, ça, j'aimerais que ça pousse plus vite, mais c'est pas le cas. Ici, donc, nous avons les capacités de construire 2 trucs de cuivre. Non? Voilà qui m'inquiète. Voilà qui m'inquiète. Non, c'est bon. Ouf. J'ai cru que je m'étais planté. Ah. Et nous sommes bons. Nous avons donc plein de choses à améliorer. Lingot de plastacier. D'acier. Les palmes, il va me falloir encore plein de choses aussi. Canon à propulsion. Canon à répulsion. Le cyclope, c'est pas intéressant pour le moment. Ça, il va nous falloir le premier pour pouvoir ensuite faire le deuxième et le troisième. On a d'ailleurs déjà les rubis pour le troisième. En tout cas, pas ici, mais à la base. Et il nous manque juste la magnétite et le plastacier. Et le verre émaillé. Donc, il nous manque pratiquement tout. Module de profondeur, qu'ils appellent ça. Alors, je sais pas si les lames sont toujours cassables. Si vous le savez, dites-le moi dans les coms. Je serais ravi de l'apprendre. Hop. Hop, les... On est bon. Crac. On va recommencer à continuer à construire nos différents caisses. Bordel. Hop. Là, on a tous les minerais possibles et imaginables. Parfait. Ici, en parlant de bordel.
Voilà, alors là on n'a pas besoin. 1. Hop. Rester. 2. 3. Bien, nous revoilà à la base, chers amis. On devrait avoir plus ou moins ce qu'il faut. Vous allez voir qu'on n'a pas fait mine du tout. Alors, ici, est-ce qu'on commence à avoir des trucs? Non, toujours rien. On n'a pas fait mine. Hop les. On va laisser une bonne partie du cuivre. Au passage. Alors, on va avoir besoin d'un peu plus de titane. Hop. Un lingot titane. Alors, est-ce qu'il en faut un ou est-ce qu'il en faut deux? Je ne sais plus. Ça, le... la vraie question. En tout cas. On a toujours un peu plus de titane à récupérer, ce qui est une bonne chose. Alors, est-ce qu'on va en avoir suffisamment? C'est là la vraie question. Non. Dommage. c'est pas grave. Le cas où on en aurait besoin de deux, j'en ai pas suffisamment. C'est dommage. Les batteries sont chargées, c'est cool. Quand même vérifier avant de partir faire quoi que ce soit. Ah ah ah. Non, c'est bon, un seul suffit. Cool. Cool, cool, cool. Du coup, il me reste suffisamment de titane normalement pour espérer. Mais j'ai pas le lithium. Le lithium, je l'ai rangé aussi. Je l'ai rangé aussi. Voilà. Le lithium, je l'ai. Crac. Et donc, on aura plus ou moins tout ce qui nous intéressait. Ça, c'est cool. Polyaniline, je sais pas ce que c'est encore. Renfort de coque, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, on l'a pas. Magnétite, je l'ai pas. Capsule de gaz. Je ne sais plus ce que c'est. Bien dommage, d'ailleurs. Hop, on est bon. Et là, cette fois-ci, on ne se plante pas. Quitte à... voilà. Moi, j'avais fait clic droit, et clic droit, ça vide tout. C'est la catastrophe. Au niveau 2 de... alors, toujours rien. 87% de croissance. Ah. Ici. Attends, attends, attends ma poule. Ah. Hack. Voilà, ça c'est efficace quand même, hein, on n'a pas à le nier. Hop là, on est reparti. Bah, on va se finir avec ça, s'il veut bien me donner celle-là. Apparemment, il veut pas, parce que je suis full. Voilà. Voilà, on est plus ou moins bon, du coup, maintenant. Hop. Et cette fois-ci, je suis fier de moi. Du coup, oui, on avait regardé, on devait regarder, pardon, pour le niveau 2. Le niveau 2 qui vend du verre émaillé. Ça, je ne me rappelle pas du tout ce que c'est. De la magnétite que nous n'avons pas, ça c'est clair. Et un lingot de plastacier qu'on n'a pas non plus. Alors, voyons voir si le truc nous propose de nouvelles ressources. Mmh. Plastacier. Titane plus 2 lithium. Parfait. Le plastacier est faisable. Alors. La magnétite, je crois savoir où on peut la trouver. Plastacier, je l'ai. Le verre émaillé. Le verre émaillé, est-ce qu'il nous le propose? Le verre, il est là. Le verre émaillé, c'est avec une dent de rôdeur. Oui! Je l'avais zappé, cette histoire. Je l'avais zappé, cette histoire. Alors, on va devoir aller chercher des dents de rôdeur. Ça, c'est pas la fête du slip. C'est équipé, c'est bon. On y va. Alors, pour ce qui est des dents de rôdeur, chers amis, ce qu'il faut, c'est se faire mordre, en fait, tout simplement. Se laisser se faire mordre et récupérer une dent qui potentiellement peut tomber, pour peu que ce soit une des rares fois où ce truc-là, parce qu'il n'y a qu'une dent à perdre par truc, en tout cas, pendant l'early access, c'était ça. Si on en trouve, d'ailleurs. Bonjour, vous, qui êtes posé sur un caillou, que j'ai déjà. Déjà, alors, encore faut-il trouver le rôdeur. Le voilà, les voilà. Et donc, normalement, en nous mordant... aïe. Ou en mordant de vous à n'importe quoi, ils peuvent perdre une dent. L'objectif... c'est de garder cette dent. Et, enfin, de la trouver et de la garder.
mais c'est extrêmement compliqué, comme vous vous en doutez. Je sais pas si je vais trouver une astuce sur le net. Je vais chercher une astuce sur le net, on va voir si je peux pas trouver un truc. Bon, apparemment, il y aurait moyen en les tapant maintenant. T'es mignon, toi, mais je te défonce quand même. Il y aurait moyen d'en faire tomber en les tapant, mais le vrai souci, c'est vraiment de les repérer. Alors. Faisons le test. Alors, faut aussi regarder au niveau de ces piles. Parce que souvent, quand il y a 2-3 trucs comme ça posés l'un à côté de l'autre, il y a une dent juste à côté. Les prendre au passage. Parce que si vous les déposez tous au même endroit, souvent, ils vont venir indéfiniment les rechercher et laisser les dents tomber tout autour. Serrons les fesses, prions pour que ça arrive. On va les laisser là. Je sais pas si ça va marcher. En tout cas, on va essayer un petit peu toutes les méthodes. Là, clairement, il a rien lâché. Là, il en a lâché une. Wouhou! Merci. Il va en falloir encore une, s'il te plaît. Et encore, on parle que de maintenant. Elles sont plus grosses qu'avant, quand même. Hein. Rien lâché, cette fois-ci. Réparer ça. Ah, c'est dangereux par là. Et les dents sont quand même assez grosses comparées à ce qu'elles étaient avant. Avant, je crois qu'elles étaient bien plus petites. On peut garder espoir. Il en a lâché une. Hop là. Parfait. On a celle qui nous intéresse pour le moment. Donc on va rester comme ça, pour l'instant en tout cas. Et on va commencer à rentrer donc au niveau de la base, comme toujours, hein, vous connaissez le principe. Qui est par là. Non. Qui est par là. Voir là. Ah non, je crois que c'était le moonpool qu'on voyait de là, mais non. Alors normalement on la voit très très loin la base, mais pour le coup on ne la voit pas. Ce qui est assez cool en soi, parce que sinon c'était un bug en fait visuel. Hein. Ah. Saleté de mon écran. C'est intéressant qu'on la voit pas de là. Si c'est bon, on la voit. Hop là. On peut voir un petit peu les lumières. Et donc ce pixel là qu'on a au milieu de mon écran, ou presque, on peut le voir de très très loin parfois. Et quand on est comme ça, l'eau c'est pareil. La lumière là, on la voit de très très loin. Mais bon. C'est comme ça. On n'y peut rien. Hop. En tout cas, on est bon. Je crois. En tout cas, pour le verre émaillé, on est bon. Puisqu'il me semble qu'il me manquera tout juste ça, en fait, encore. Vu que j'ai pas tous les lingots de titane du monde. Malheureusement pour moi. Ni la magnétite, de mémoire. Hop. C'est ça, il me faut la magnétite et le plastacier. Bon, alors, pour tout ça... On y reviendra plus tard. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Ça y est, vous commencez à être efficace, vous? Parfait. Oui, c'est bon, ça y est, je commence à savoir ce que je veux faire. On va ressortir. D'ailleurs, on va les réparer aussi au passage. Hop. Et normalement, dans le coin... Voilà, là-bas. On a laissé nos copains. Et on va aller voir ce qu'il faut pour le Cyclope. Qui est le gros vaisseau. Le gros sous-marin. Il pourrait être intéressant de crafter tout de suite. Enfin, en tout cas, au plus vite. Pouvoir partir... Pardon. Dans des explorations un peu plus longues. Utiliser la baie véhicule. On y va. Alors, véhicule. Cyclope, 3 plastaciers, 3 verres émaillés, donc ça c'est facile. Kit de câblage avancé, je ne me rappelle plus, le lubrifiant c'est facile. Donc le plus dur en fait c'est le plastacier et le verre émaillé.
Le reste, je pense qu'on peut l'avoir. Kit de câblage avancé. Ah là 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 là, il faut beaucoup de choses. Beaucoup de cuivre, beaucoup d'argent et un petit peu d'or. Ok, c'est pas excessivement compliqué. Je suis surpris, je m'attendais à bien pire. Du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode, les amis. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de rester à peu près sur 3/4 d'heure de tournage et de faire réduire ensuite au montage. Je pense que dans le prochain épisode, on va aller chercher, disons, farmer un peu plus les composantes, simplement. Et on sera peut-être plus efficace pour la suite. Ou alors, ce que je peux faire... Ouais. Dans le prochain épisode, je sais ce que je vais faire. Je vous laisse là, les amis, pour celui-ci. En tout cas, merci de l'avoir aimé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve dans le prochain. Salut les gens, et yop !